Ici Lupina pour un nouvel épisode du Chien Bébé Challenge. Gna gna gna. Ok, je sais plus au combien tième on en est. L'autre pintade va accoucher un jour ou l'autre. On en est où? Ouais, bon, elle va accoucher dans longtemps. Hein. Dans le prochain épisode. Alors, j'ai des cheveux qui font ce qu'ils veulent, c'est génial. Il y a un gros chat là, un petit chat mignon. C'est Grougal, un Grougui. Bref, on va pas l'embêter parce que sinon il va venir nous enquiquiner. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, j'avais fait un sondage sur l'épisode 40 pour savoir si vous vouliez que je continue de tout filmer ou si vous voulez juste que je filme les bébés et les papas. Vous avez été la majorité à me dire de continuer de tout filmer, donc ça me fait plaisir déjà d'une parce que... Bah, ça prouve que ça vous saoule pas et que vous continuez de regarder, donc merci. En plus, non bon, je vais pas vous remercier, enfin je vous remercie aussi pour les 300 abonnés, mais je pense que d'ici à ce que vous voyez la vidéo, j'aurai fait ma petite surprise que je prépare, c'est pour ça que je fais un silence radio là-dessus. Bref, je sais plus du tout où j'en suis dans mes semaines, dans les vidéos d'avance, je sais plus. Enfin, en tous les cas, si j'ai pas fait le truc, sachez que je ferai... quelque chose en octobre, en fin octobre, avec des gens pour vous remercier de ces 300 abonnés. Bref, Clémentine dort, c'est génial. Clémentine à la dalle. Et d'ailleurs, comment ils vont tous ces gens? Mais Clara, elle a trop... Et je vous jure, elle va jamais mourir. D'un autre côté, tant mieux. Hein, parce que bon, elle va aller s'occuper de ce sale chiard. Mais il nous enquiquide, le Alexis, là. Quand est-ce qu'il grandit? Oula! Gagné? What? What? Ah non, ça c'est d'autres familles, ça. Oui, je me disais, je comprends pas, on n'a jamais atteint le million avec cette famille. Enfin, sûrement en accumulant tout ce qu'on a gagné, mais bon. Bref, c'était... Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Oh, il me braille dans les oreilles, c'est sale gosse. Sale gosse, tu vas cuisiner Clara quelque chose, je sais pas ce que tu peux faire. Faut vraiment que j'arrête de regarder ce jeu, ça me donne grave la dalle à chaque fois. Du coup, tu vas faire une toile réaliste. Et l'ancien, ma petite princesse, tu es debout. Va faire un pissou. À la école en plus. Ah non, il n'y a pas école, c'est dimanche. Oh, bah c'est tranquille, on va pouvoir monter ses compétences tranquillement. Tranquillement. Alors, va danser. Viens danser. Toi, Kéraline, pipi, douche. Et ensuite, bah, Tira, qu'est-ce que tu fais? Oh bah, Kéraline, c'est bon, elle a déjà tout ce qu'il faut, donc on va pas y passer 30 ans. Et l'outil chiale encore. Oh ensuite, Tira là, ma petite Kéra. Sébastien, enfin c'est plaît, mon petit lapin, mon petit biquet. Bah lui aussi c'est bon, il a tout ce qu'il faut. Oh, ils sont parfaits ces Sims. Tu vas aller faire pipi et puis pareil, prendre une petite douche. Et ensuite, tu iras te servir ce que mamie a fait, si mamie veut bien servir un jour. Allez mamie. Ah c'est bon, il a arrêté de braire l'autre. Il n'y a plus de respect pour les gosses, tu sais. Bon du coup, tu vas pas t'asseoir, tu vas juste venir manger. En espérant que cette fois, tu fasses ce que je demande. Et Lancia, tu iras après avoir dansé. Est-ce que vous avez fait vos devoirs? Ouais, ça c'est cool ça. Donc ça fait de la thune, c'est toujours ça de prix. Ils ont fait leurs devoirs, mais ils sont géniaux ces petits. Du coup, Clara. Oh, ils nous saoulent. Bref, on va aller voir Clémentine. Hein. Clémentine, ça va, du coup, Tira, pardon, je suis un peu enrouée, Tira, je suis même pas enrouée, mais j'ai des trucs dans la gorge, bref, Tira, faire pipi, et ensuite, tu vas t'occuper de ce mouflet qui nous enquiquine, oh,
Non, allaite-le, c'est un peu mieux. Alexis, tu nous saoules. Sale gosse. Sale gosse. Bon, vas-y, lève-toi, cocotte. Et du coup, tu iras manger. Prends une portion. Et vous deux, là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bah, je sais pas, moi, dimanche, on s'ennuie, hein. J'ai trop hâte, les gars, d'avoir le nouvel add-on. Puisque dans le nouvel add-on, on pourra choisir des traits, comme les traits qu'ont les sims, genre joyeux, machin, à nos maisons. Et dedans, j'ai vu un live de Direct Sims. Enfin, ils traduisaient le live qu'avaient fait les Sims Gourous, bref. Donc dedans, il y a des traits pour avoir plus de chances d'avoir des jumeaux, pour maximiser les devoirs, etc. Donc franchement, pour ce challenge, mais ça va juste être trop, 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 trop bien. Et en parlant de jumeaux... Ah bah non, je vais pas le dire, sinon ça va spoiler. Ça va spoiler, mais j'en ai eu, mais pas dans la bonne série, voilà. C'était pas du tout ce que je voulais. Donc, bref... bah écoute, on va. Bah Seb, tu vas nettoyer les assiettes. Et Kera, qu'est-ce que tu peux faire? Je sais pas ce qu'ils peuvent faire, moi. J'ai rien à faire avec les gosses. Hein. Au pire, vous allez jouer là-dessus. Ah, il y a mon chat qui miaule, évidemment. J'avais dit qu'il fallait pas l'embêter. Voilà, donc vous allez glisser tous les deux. Elancia, t'en es à combien? Eh ben voilà, c'est parfait. Allez, c'est bon, Elancia, tu peux aller manger. Elle est quand même jolie. Mais je trouve qu'elle a une bouche de... énorme. Je sais pas, ça me perturbe. En fait, c'est ça, elle a une bouche de noir, entre guillemets. Et elle a le petit nez tout fin de sa mère. Du coup, ça fait trop chelou. C'est particulier, hein, on dirait une fille refaite de la télé-réalité. Bon, bref. du coup, oh la pauvre mamie. Oh, encore un chef-d'œuvre, mais elle fait que ça. Hein. Et l'autre qui braille. Alors, je ne maltraite pas mon chat, c'est juste qu'il attire l'attention. Et souvent ça marche. C'est ça le pire. Oh, mais ce gosse, mais tuez-le! Mais tu nous saoules, là! On t'a déjà fait tout ça, là! C'est bon, maintenant! Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont chiants! Du coup, ma petite Clem, tu vas aller t'occuper de ton jardin. Arroser, désherber, pulvériser d'insecticides et récolter les produits. Récolter les produits ou tout récolter, voilà, tout récolter. Autant pour moi. Du coup, peut-être nous refait une toile, les gosses y jouent. Et Lancia, qu'est-ce que tu pourrais faire? Est-ce que tu pourrais pas faire une activité histoire de bah, faire gagner encore plus d'argent à maman? Hein, j'ai envie de dire. Moi, j'ai qu'une envie, là, c'est de les coucher et de passer au lendemain. Oh, mais ce chat! Gros gars, t'as fini tes bêtises? N'importe quoi, lui. Du coup, il y a une demoiselle, je sais plus le nom. Je suis désolée. En plus, j'ai vu le commentaire il y a pas longtemps, donc excuse-moi, qui m'a demandé si je mettais... Je crois que c'est Ginny Sims, un truc comme ça. Je suis désolée. Qui m'a demandé si je mettrais la maison dans la galerie. Donc la réponse est oui, je la mettrai. Je la mettrai dès que j'aurai rempli ces trois chambres. Voilà, donc dès que c'est fait, je vous la mets dans la galerie. Il n'y a aucun contenu personnalisé. Par contre, j'ai tous les kits et tout ça, donc si vous les avez pas, il se peut qu'il manque des choses. Mais sinon, il n'y a pas de contenu perso, donc c'est bon. Du coup, Elantia, qu'est-ce qu'on peut te faire faire? Super face. Oh, trouver un emploi, elle a le droit, je crois. Les gosses, ils ont le droit, je sais plus. J'ai un gros doute. La matriarche, elle a pas le droit, mais les gosses, ils peuvent, non? Oh! Je sais plus. Bon, vas-y, écris un livre. Voilà. Je ne sais plus, Loutou. Bah alors, Bibou, t'as fini tes bêtises. Viens là. Regarde-moi cette espèce de petit relou. Hein? T'es chiant? Tu le sais? La tête du chat qui veut partir. Lâche-moi. Lâche-moi. Allez, du balai. Saut piqué. Alors, on va l'appeler... je vais copier mon chéri, parce que je n'ai pas d'imagination. Je vais l'appeler...
Non, je sais comment je vais l'appeler. L'île aux enfants, voilà. Voilà, retrouver Casimir et son ami l'ours dans de nouvelles aventures. Excusez-moi, je suis la seule à rire de ma connerie. Bon. Oh, ce gosse! Oh, j'ai coupé le son du jeu, de toute façon, j'ai testé et vous l'entendez même pas. Ça me. Et pourtant, il est à fond là. Hein. Enfin, il est pas à fond fond, mais il est fort. Oh, vas-y, tais-toi, s'il te plaît, Alexis. Mais en plus, il veut même pas boire, alors qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Tuer cet enfant. Foutez-le dans un congélo. C'est horrible. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il a envie de faire pipi? Bah vas-y. J'espère qu'il va pas se faire dessus. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Bon, c'est bon. Du coup, toi, t'as vendu ta peinture. C'est parfait. Tu refais une toile. Allez hop. Et l'autre, il va repiailler dans 5 minutes, je le sens. Oh, le chat! Alors, quand c'est pas le bébé, c'est le chat! Non, mais je vous jure! Bon, elle s'amuse. Avec son petit bidou, j'ai hâte que t'accouches, ma vieille, mais de ouf. Troisième trimestre dans. Oh, on n'est pas prêt. Hein. On n'est pas prêt. Par contre, il va falloir tuer ce chat. Grougal, ça suffit! Tiens, j'avais dit qu'il repiaillerait, lui. Le miaulement pourri! Oh, n'importe quoi. Du coup, apaisé, tais-toi, sale gosse. Je t'en supplie, tais-toi. Et l'ancien, toujours en train d'écrire son livre de Casimir et l'ours gentil. Seb, tu fais rien. Bon, en même temps, t'as rien à faire. Regarde, tout est à fond là. On sait même plus quoi faire de ces gosses. Sérieux, allez danser. Oh, il y a l'ancien qui vient de se connecter. Bref, on s'en fout. Oh, il m'énerve! Le chat! Est-ce que t'as fini tes bêtises? Il est en train de gratter. Tout va bien. Alors vas-y, va danser avec ta sœur. Ah bah voilà, toi, il te manque du social, alors vous dansez ensemble. Ruru, tu veux bien aller mettre le chat dans le four? C'est Ok, horrible. viens là. Voilà, faites-vous des petites blagues entre frères et sœurs. Le chat n'ira pas dans le four, hein, c'était une blague de très mauvais goût. Bon? Il rit avec le chat, ah bon? Non mais je précise au cas où des gens y croient. Voilà, plaisante sur les bananes, c'est tellement drôle les bananes. Je sais pas. Compliment. Allez, vous racontez-vous votre journée là. Ma, qu'est-ce que t'as fait? Bah, la même chose que toi, patate. Ah ouais. Voilà, puis danser ensemble. Allez, go. Et l'autre qui pleure. Oh! Tuer ce gosse. Du coup, Clémentine, c'est bon, t'as tout? Bah ouais. Alors, on va faire un pissou. Le gaz marche pas. Bon, t'es bête. Rudolf a dit le gaz ne marche pas, comme s'il avait vraiment mis le chat dans le four. Mais tu l'as mis où? Non, mais sérieux. Il est où? Ah oui, sale bête. Il a besoin d'amour, ce petit bichon. Quel relou. C'est ça d'adopter un handicapé, hein. Voilà, c'est bon, t'as fini de chialer, Alexis. C'est pas possible. Oui, vends ce chef-d'œuvre. Mais regardez tout cet argent, je ne sais plus quoi en faire. Bon, je reviens, hein. Re! Donc c'est bon, j'ai contré le minou, il est sur mes genoux, il voulait juste de l'amour le bébé. Je vous jure les chats. Aïe aïe aïe. Ah mon petit chat, ah il a terminé son livre, l'autre marsupio là. Un marsupio, oui, pourquoi pas. Du coup, auto-publié, L'île aux enfants. Non Bibou, tu recommences pas à miauler. Hein. Regarde du coup, il est mignon. Dis coucou aux abonnés. Coucou les abonnés, je suis un chat très chiant. Hein mon bibou?
Bon, par contre, j'ai arrêté de gagater. Et voilà, il est sur le bureau. Comme ça, il va se coucher sur le bureau et je verrai plus mon écran. Oh, mon chat. Ah oui, je vois déjà plus l'écran. C'est génial. Ce chat a tout pour plaire. Oh, je me tais parce que vous allez peut-être l'entendre ronronner. Mon petit pépère. Bon, bref. Ah, ah oui, ah oui. C'est l'anniversaire de l'autre andouille. Alors, toi, tu fais quoi? Vas-y, va lui changer d'âge, là. Vite, 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 vite. Hop. Il va miauler, vous allez voir. Bon, c'est pas grave, hein, j'ai envie de dire. Le droit de miauler, après tout, c'est un chat. Et oui, Alexis a grandi. Oh, il est trop mignon. Alors, on lui met Pouit. Donc, c'est enfant turbulent. Et... Hop. Amateur d'art. Alors oui, vu les Sims, ce qu'il fait, on peut dire ça. On va dire ça comme ça. Hein. Alors, bah Alexis, tu vas faire tes devoirs et ensuite, tu vas pas perdre de temps. Tu vas directement... directement... déjà rejoindre le groupe. Non, bah on va le mettre... C'est qui chef de groupe sur Excellentia? Je sais plus. Non, c'est Kera. Du coup... Ajoute ton frère, toi, voilà. Hop. J'avais augmenté quoi, moi? Ok, bah tout, en fait, donc c'est parfait. Bah ensuite, Alexis, tu vas jouer à la poupée. Hein. Hop. Voilà, Clara, ma princesse. Clara, n'importe quoi, c'est Clémentine, mais c'est pas grave. Attends, parce que Clara, il faut que je m'en occupe aussi. Mais Clara est toujours dans le vert, il n'y a aucun souci. Tout va bien. Hop. Fais une toile pop art. Clem, oulala, Clem, ça va pas du tout, mais alors pas du tout. Est-ce que tu veux bien manger quelque chose? Ensuite, tu iras dormir. Je pense que ça te fera du bien. On va vendre ça, donc on en a pour 2900. Et là, 3900. Je vous dis, je sais plus quoi faire de cet argent, moi. Elantia, t'as besoin de social. Oui, bon, déjà, tu vas venir là pour faire un pissou. Ensuite, tu vas manger un truc. Il est quelle heure dans le jeu? 17h. Ouais, ben, on a le temps. Kera, Kera, Kera. Ok, elle est très joueuse. Oh, mais ce chat! Hop! Grougal, ça suffit! Autorité zéro. Bon, pas que j'ai de gosse. Vous allez manger un truc, vite fait. Je sais pas pourquoi il miaule, hein, me demandez pas. Hop là, voilà, manger un truc... Et puis... Bah du coup, comme ça, Elantia pourra vous parler. Allez, go! Devoir terminé, c'est parfait. Donc, tu vas parler à ton petit frère. Raconte-lui une histoire drôle, tout ça, tout ça. Hop! Voilà, c'est parfait. Comme ça, le social remonte. Keraline, je t'ai demandé de prendre à manger, ma belle. Ah, ok, donc ça, c'est vide. Clara, t'as fini? Oh, il est beau! Oh, j'adore. Vous savez quoi? On va l'accrocher quelque part. Je sais pas trop où, par contre. Où est-ce qu'on peut l'accrocher? Attendez. Mais non! Il est où? Remets-le là! Du coup, Pouic, où est-ce qu'on pourrait le mettre? On va le mettre là. Ah, c'est trop beau, j'adore. En plus, avec tout l'argent qu'on a, on peut bien garder un petit tableau, voire même plusieurs. Du coup, je voulais prendre un petit tapis pour là.
tout est petit aujourd'hui. Alors, ils ont rajouté des objets, enfin des coiffures, je sais plus trop. Ils ont rajouté des trucs. Avec la mise à jour des trucs sur la mort mexicaine. C'est pas du tout français ce que je dis. Comment ça s'appelle la journée des morts là chez les Mexicains. Bref, mais je sais pas trop quoi. Surface. Je crois qu'ils ont ajouté des commodes, mais je sais plus où c'est. Ah, c'est ça. Des consoles, pardon. Ouais, ça va pas trop avec le reste de la maison. Hein. Oh, si je pourrais en mettre une là, attendez. J'en mets une dans le thème. Oh, c'est joli. Oh, je kiffe. Franchement, j'ai trop hâte du nouvel add-on. Trop, trop hâte. Je sais pas pour vous. Mais moi, j'en trépigne d'impatience. Hop là. Oh, ce chat! C'est pas possible! Du coup, peut-être plus celui-là. Hop là. On peut mettre des trucs dessus, genre des bougies. Je crois qu'ils ont rajouté des bougies en plus. J'avais pas du tout prévu de faire de la déco, hein, je suis désolée. Ah, il m'énerve. Bougie. Il n'y a pas bougie. Et non, c'est pas du tout ça que je voulais. Lampe de table. Ah! Ah, c'est celle-là. Elles sont trop classe. Trop classe! On va mettre celle-là. Oh, ce chat! Voilà. Bref. Bah, je crois que j'ai carrément dépassé le temps prévu. Donc, je vais vous laisser ici. Je vous fais plein de bisous. J'espère que l'épisode vous aura plu. Et salut!